allez, on se chauffe un peu les mains, on y va. Salut YouTube, aujourd'hui tu es venu voir quelque chose qui va te distraire et beaucoup te faire du bien pour ta carrière individuelle ou de couple, peu importe, ça va t'aider dans tous les cas. On va partir sur le Volibear Lopez, donc c'est le gitan et le caveau de ses morts. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends. Une droite, un parpaing, on va le coucher. C'est le Volibear que tu as déjà vu, je crois. J'en ai fait plusieurs de vidéos à ce niveau-là. Du coup, on a mis un petit skin un peu de combattant de catch. D'ailleurs, je pourrais faire une invade, je pourrais faire la Kirikou, les gars. Tu peux ward ou pas, là? Là, là. Oh, putain, mes viewers, ils sont parfaits! Ils sont parfaits! On est en live actuellement sur Twitch, tous les jours à 10h, sauf le dimanche. Tu peux venir, c'est dans la description, tu cliques sur le truc, tu follow, bon, tu connais. On va partir sur quelque chose d'assez agressif. Je vais partir sur Griffe du Rôdeur. Essence River, Dominique, IE. On va essayer de mettre un maximum de patates. Je joue Déluge de l'âme, bien évidemment, pour envoyer le maximum d'auto-attaque. Et d'ailleurs, je vais accompagner de mon petit pitbull. Mon pitbull bleu qui s'appelle Air Max. J'espère que le monteur il se fera plaisir avec des insertions de tu vas repartir mal, mon copain et tout. Ouais. Je compte sur toi. Je sais pas si c'est Yohan ou Dizzy qui s'occupe de ça. Bon, Z est sur les Raptors. Z, il a fait Red Raptor. C'est assez surprenant. J'ai l'impression qu'il est parti vers ses golems, je sais pas ce que vous en... On est d'accord les gars, je l'ai vu partir sur la droite, non? Parce que s'il est parti au golem, du coup l'invade va pas marcher. Direction les loups. Ok. Je sais pas, c'est chelou, en fait son clear il est... En fait là il est niveau 2 sur le bleu normalement, parce qu'il a fait raid, raptor, loup, il est encore niveau 2. Donc là il est probablement sur le bleu niveau 2. Le caveau de tes morts. Voilà mon ref, la Kirikou. La Kirikou version gitane, frère. Ok, on forme, on forme. Surtout que là, il peut même pas venir combattre vu qu'il est que niveau 2, donc... Oh putain, il est là. La caveau t'es mort, viens là. Si t'es un homme, tu viens ici. Il va vite, il a des bottes, ce chien. Oh frérot, j'empêche de jouer, j'en ai rien à foutre. Du jeu d'âme. Je peux jouer? Je peux jouer ou pas? 2 secondes 28, faut arrêter de déconner là, on est où là? C'est un délire Morgana, si un jour elle revient méta, je pense que je désinstalle le jeu, genre ça me casse les couilles. C'est le seul perso au niveau 1 avec son sort, il t'immobilise pendant 2 secondes et quelques. Faut se faire foutre au bout d'un moment. Putain, j'aurais pu une veille de là-bas, le Z et tout. Il y a un monde où il est sur ses raptors parce qu'ils ont hip-hop. Je vais m'occuper de Morgana. Y'en a un! Pas, pas, pas! Pas, pas! Encore, encore! Tape, tape! Tape! Mais putain, j'ai pas de dégâts! T'es chez moi ici, tu te casses! Déluge, déluge! J'ai l'impression d'avoir 0 dégâts, je suis même pas en train de rêver quand même. Ah mais on est en 8-2, on est en train de perdre alors que j'ai fracturé le Z, j'avais pas capté. Genre, okay. Attends, il va falloir que je tryhard un peu. Après c'est bien, les gitans ils vont revenir avec les caravanes là. Pourquoi Déluge de l'âme plutôt que l'étal tempo, c'est quoi la diff? Bah en gros c'est pour envoyer que 3 patates, parce qu'en gros mon build il va être basé sur peu d'auto mais des grosses auto quoi. Ok là. Ok. Ah mais... Mais faut mourir! Voilà! Tac tac tac! Pouf! J'étais obligé de la tuer là, elle fait trop la maline elle, depuis tout à l'heure. Est-ce que vous y croyez la team à cette game? Qui commence d'ailleurs très mal. Moi je pense qu'il y a moyen. Parce que la hache elle est en 4-0, mais la hache je peux l'envoyer en Tchétchénie là avec mon build. Juste il faudra pas que la Morgana mette son E dessus. Sinon elle prendra pas le stun et je pourrais pas la tarter. Putain, la Morgana, tu vois, encore une fois, elle joue trop agressif, c'est pas normal. Je peux pas la laisser comme ça, hein, impunie. Voilà, tout ce qu'on veut les gars. Ça commence, ça s'active. Je vais prendre ça. Là normalement j'ai un bon petit stuff. Ah, ils avaient flash. Putain, je rêve où la Morgana elle est en train de chase.
Qu'est-ce que... Il est mou ! Paf ! Qui se rappelle à l'époque où la griffe du rôdeur, on pouvait l'utiliser sur les creeps. Genre, tu t'en servais des fois pour te repositionner et tout, genre. La bonne vieille époque. J'en ai plein les couilles de cette game. Putain, la chasse à l'ours là, j'en ai plein les couilles. Vous avez des bottes. Allez, faut la hache, faut la tuer les gars. Leur botte est trop bien. Allez, c'est reparti. Le jacuzzi de pisse. Allez, elle va prendre. Hop! Pa! Allez, boum! Let's go! Okay, on va tuer lui là. Il est isolé. Non mais il faut aller se faire foutre, c'est quoi ça encore? Mais ils sont intuables les deux là. Voilà chef. Je suis rentré dans le buisson, il pouvait pas me... Voilà, tiens, tu vas te prendre un Hérald aussi. Et tu as voulu faire quoi à la famille Lopez là? On était en 4v1 là. Bâtard de tes morts. Le cercueil de tes morts, tu vas licher. Non, ça va partir en couille au mid. Oula, la TP bien derrière là. Je crois que ça fight, les gars, je suis obligé d'y aller. Ok, ça part. What the fuck? Oh, j'ai mis une droite, frérot, je l'ai couché. Il a dash là? Viens là! Les patates! Voilà! Ouais, vas-y, elle me grid! Pour le Joe! Le Joe! Le David! Et le Hoffman de ses morts! Ou le R. Ah! R de chaîne! C'est pas mal! On le prend en plusieurs temps! Je prends ça, tourniquet. Pouah. On les a retournés, frère. Ils étaient tellement bien plus dans la game. On a gagné un fight en infériorité, là. Oh, le travail d'équipe. On va faire une équipe LCS, là, avec cette équipe, là. Percepteur. Enfin, en vrai, je vais faire Dominique. Je pense qu'il y a quand même un peu d'armure. Ouais, il y a un peu d'armure. Je vais faire Dominique. Et après, on partira sur l'IE. Mais no joke, le pet, mon pet Air Max, là, il me fait aller si vite pour les engage. Des fois, ça se joue à rien. Je suis à deux doigts de pas l'attraper. Ok, j'ai le Dominique. Je pense que le bac est quand même important. Bon. Il était en train de bouffer, je crois. Lâche. Là, elle va passer. Oh, les gars. Paf ! À l'aide. Putain ! Bon, là, j'ai le Dominique. Allez, j'ai le Dominique. On va partir sur l'IE maintenant. Eh ben, c'est FF. CFF, ça aura été une destruction. Imagine quand même, t'es en 9-0 avec H et tu perds la game. Genre, tu dois être tellement au bout mentalement, genre. Eh ben, écoutez, elle était bien sympathique cette partie. Le but c'était de finir sur une IE. On s'est fait un peu maltraiter quand même, hein. On s'est fait maltraiter avec la H et tout. On s'est fait full slow, full air et tout. Mais je dirais qu'en dernier item, on aurait fait IE et après, un dernier item, je vois pas trop, à part un item, enfin peut-être défensif, mais... Et voilà, t'as compris l'idée, quoi, c'est le duo. C'est le duo Volibear. Si t'as des idées de pig, n'hésite pas dans l'espace commentaire à un moment donné. Abonne-toi à la chaîne si ça t'intéresse d'en revoir d'autres. Tous les jours en live sur Twitch aussi, si tu veux venir jouer avec nous. Et rendez-vous demain même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao !